Je m'appelle Jean-Marc Gilson et je suis le CEO de Roquette. Vous dites que bon, la décision n'a pas été prise à la légère. Il y a eu une élection ici au Manitoba il y a un peu moins d'un an. Il y a un changement quand même de mentalité, mais j'imagine que vous avez dû contacter les gens dans la province, que ce soit dans l'administration de l'État-Géré ou le gouvernement, il y a bien longtemps avant ça. Quand s'est fait le contact avec la province? Eh bien, en fait, donc, comme je l'ai dit, c'est un process qui a probablement pris à peu près 18 mois. Je pense que la première fois qu'on a vraiment contacté les personnes de Manitoba, ça doit être à peu près à la fin du premier sommet, du premier trimestre l'année passée. Nous, on a travaillé en fait avec l'administration ici d'abord. Donc, on a travaillé avec l'administration. Entre-temps, pour l'administration, les hommes politiques ici ont changé et c'est une nouvelle administration. Je dois dire que pour nous, à partir du moment où on est entré véritablement dans les discussions de sélection de sites, on s'est retrouvé face à une administration, une nouvelle administration qui a tout fait en fait. Pas pour nous aider, mais qui nous a accompagnés d'une manière extraordinaire. Et donc ça, en fait, avec le fait qu'on a un accès aux matières premières, un hub logistique qui est relativement facile, un accès en fait à toute l'Amérique du Nord, en fait, ça a emporté la décision. Donc franchement, une administration qui nous a énormément aidés.